slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online, non pas pour un glitch ni une astuce, bref pour rien du tout. Si pour quelque chose, tout simplement pour faire une vidéo information. Donc vous l'avez vu dans le titre, et bah écoutez c'est reparti pour un tour. Je me suis pris le bonnet d'âne en pleine face de la part de Rockstar, merci de me l'avoir fourni. Je pense qu'il est très beau, il est très très design, c'est vraiment sexy. Vous trouvez pas que ça me va bien, non? Personnellement moi je trouve que ça me va très très bien. Il est vraiment sexy. Donc c'est pas la première fois que je me fais ban. Donc j'en ai pour 2 semaines. Ça fait beaucoup. La première fois c'était 48 heures. Là j'en ai pour 2 semaines. Donc je serai débanni le 8 octobre 2014. Donc d'ici là ne vous en faites pas. Il y aura toujours des vidéos de glitch et des vidéos de GTA 5 sur ma chaîne. Mais je les ferai avec mon autre compte. Donc avec mon compte secondaire qui est dédié aux abonnés. Donc certes que ça va me prendre un petit peu de temps avant que je puisse me refaire un peu d'argent, que je reprenne mes levels, etc. Sinon sur mon personnage, mon vrai compte, bah, je n'ai pas perdu mes levels, pas mes compétences, j'ai juste perdu tout mon argent. C'est assez, assez chiant de leur part d'avoir fait ça, surtout que personnellement je pense qu'ils ont fait ça parce que je réalise des glitches sur YouTube et je sais que je suis pas le seul à m'être pris le bonnet d'âne en pleine poire. Mais je pense qu'ils doivent regarder un peu ce que les gens font sur YouTube. Et s'ils font trop de choses qui ne leur plaisent pas, peut-être qu'ils nous bannent. À ce moment-là, bah, c'est pas vraiment du ban, c'est plus du mauvais joueur. Mais c'est relativement chiant. Mais moi ça me dérange pas, ça me fait plus rire qu'autre chose. C'est pas la première fois, la première fois j'en ai rigolé mais un point énormissime. Là ça me remotive encore plus que d'habitude pour continuer et revenir en force pour vous proposer encore plus de glitch et encore plus les faire chier. Parce que voilà c'est Rockstar, je vais les faire chier jusqu'au bout avec Venger. Donc je vous explique un peu le contexte de comment ça s'est passé parce que c'était assez drôle. Donc j'étais en train de chercher un glitch pour rendre sa voiture invincible avec Venger. Donc on était quasiment à la fin de la manipulation, on avait quasiment trouvé 98% du glitch. D'ailleurs je vous le reproposerai mais il va falloir attendre un tout petit peu. En gros quand j'ai on était à la fin de cette manipulation, on était à 98% environ. Et quand j'ai fait la dernière manipulation, j'ai reçu un petit mail de Rockstar et un petit message d'alerte directement sur mon écran. Alerte, vous êtes considéré comme un tricheur, retournez à Grand Theft Auto 5. Donc voilà, je l'ai eu un peu dans le cul. Moi ça me dérange pas, ça me fait plus rire qu'autre chose. Et je tenais vraiment à vous en faire pas parce que c'est assez drôle. Et comme ça je vous dis aussi que je ferai les vidéos avec mon autre perso. Comme ça vous pourrez pas dire que les vidéos sont prises d'une autre personne, etc. Après je pense que ça va vous faire rire autant que moi ça me fait rire. Après je pense que les rageux ils vont se faire un plaisir fou à se foutre de ma gueule. Bah écoutez moi ça me fait rire. Venger n'est pas banni, lui il a gardé tout son argent. Tant mieux pour lui, on verra bien ce qui va se passer dans les jours à venir. Et donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que cette petite annonce vous aura fait rire. Et du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.